Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce 21e rendez-vous IF Prof, c'est notre 21e webinaire IF Prof. Je suis Martin Lafitte, je suis chargé de projet développement des publics au pôle langue française à l'Institut français de Paris et je suis très heureux de vous retrouver toutes et tous aujourd'hui donc pour ce nouveau webinaire où vous avez été encore extrêmement nombreux à vous inscrire. Merci encore de votre fidélité et de votre participation à ces rendez-vous. Je vois qu'on est un peu plus de 150 déjà connectés, donc et vraiment de partout dans le monde. Là, bonjour à l'Espagne, bonjour à la Roumanie, à la Tunisie, à l'Argentine, à l'île Maurice, à tous, à la Normandie aussi, j'ai vu. Vraiment, bienvenue tout le monde pour donc parler aujourd'hui de ce magnifique outil au service de tous les francophones, qui est donc le dictionnaire des francophones et pour lequel, pour vous en parler, en tout cas aujourd'hui, on accueille avec grand plaisir donc deux intervenantes. Alors tout d'abord, Nadia Sefiane. Bonjour Nadia, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Martin, bonjour à tous. Bonjour Nadia, bienvenue, vraiment merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc toi Nadia, tu es chargée de communauté du dictionnaire des francophones à l'Institut international pour la francophonie à l'Université Jean Moulin Lyon 3, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc peut-être tu pourras nous expliquer un petit peu ce que fait un chargé de communauté sur le dictionnaire des francophones et puis tu nous parleras donc du dictionnaire, de ses origines, de la genèse du projet et puis surtout de toutes les évolutions actuelles et de la manière dont chacun pourra contribuer à son développement. Donc merci encore d'être avec nous. Et merci de nous accueillir. Et nous sommes donc aussi avec Magali Foulon-Delcombel. Bonjour Magali. Bonjour.
Bonjour à toutes, à tous. Merci Martin. Ben non, merci à toi d'être avec nous. Donc toi, tu es professeur et formatrice au CAF Villam, Alliance Française de Vichy. C'est exact. Et donc, tu es avec nous aujourd'hui parce que tu as donc travaillé sur toutes les applications pédagogiques, toutes les fiches et les applications, notamment le défi DDF, qui ont été donc faites par le CAF Villam Alliance Française pour accompagner le dictionnaire des francophones et accompagner tous les enseignants pour l'utiliser en classe. Exactement. Voilà, donc on va apprendre vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Juste avant de vous donner la parole, quelques petites informations un peu traditionnelles qu'on communique à nos chers enseignants qui nous suivent aujourd'hui comme à chaque fois. Alors, il y a un petit peu de bruit chez toi, je pense, Magali. Si tu peux juste couper ton micro pour le moment, ce sera bon après. Mais donc, juste, hein, vous savez, cher public, que vous pouvez bien sûr discuter, échanger, commenter ce dont vont nous parler Nadia et Magali aujourd'hui sur le chat. Vous le connaissez déjà. Vous l'avez bien sûr utilisé déjà jusqu'à maintenant. Si vous avez des questions particulières, des questions précises, des choses vraiment à demander, essayez de les noter, s'il vous plaît, dans la partie questions, hein, juste là en haut à droite de votre écran. La partie questions qui nous permettra ensuite de pouvoir les faire remonter à Nadia et Magali une fois leur présentation terminée. Et puis, comme d'habitude, on aura toujours un petit échange tous ensemble à la fin pour aussi répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Et puis, vous voyez aussi les petites questions de sondage qui sont déjà actives. Donc, n'hésitez pas aussi dès maintenant à y répondre. C'est toujours des informations précieuses pour nous pour mieux vous connaître. Et ensuite, vous verrez que pendant ce petit webinaire, on aura deux autres petites questions qu'on aimerait vous poser tout à l'heure. Je reviendrai à ce sujet très rapidement. Voilà. Dernière petite annonce, plutôt excuse, on va dire. On a eu des petits soucis. Hein. Désolé pour tous ceux d'entre vous et toutes celles d'entre vous qui nous avaient fait la demande d'attestation de participation pour le dernier webinaire. On a eu un petit souci avec notre système de distribution des attestations. On est en train de régler ça. Donc, il y aura toujours des attestations qui seront délivrées. Ne vous en faites pas et juste revenez vers moi à la fin de ce webinaire si vous avez besoin de quelque chose. Vous avez l'adresse email ifprof@institutfrançais.com pour me communiquer tout ça. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à Nadia qui va pouvoir donc nous présenter en détail le dictionnaire des francophones, cette application que si vous ne l'avez pas téléchargée, on aura tous les liens qui vont bien pour que vous puissiez vous emparer de tout ça. Et puis on passera aux applications pédagogiques juste après. Voilà. À toi, Nadia. Merci beaucoup, Martin. Alors, tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être parmi nous aujourd'hui pour découvrir ce merveilleux outil qu'est le dictionnaire des francophones. Je vais vous partager, alors un instant, je vais vous partager une petite présentation que j'ai préparée. Hop. Donc voilà, j'espère que vous voyez ce que je vois. Alors, donc le dictionnaire des francophones. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Nadia Sefiane, je suis chargée de communauté pour le dictionnaire des francophones au sein de l'Institut international pour la francophonie. Mes missions, principalement, il s'agit d'animer les réseaux sociaux et de faire le lien avec le public autour du dictionnaire, de telle sorte que cet outil trouve son public et qu'il rentre dans la routine de tous et de toutes. Donc, voilà. Je vais d'abord vous faire une petite une présentation en fait du projet, enfin du dictionnaire, mais très rapidement. Et ensuite, on va aller un peu plus en profondeur où on va évoquer des fonctionnalités, la façon dont on peut contribuer à ce dictionnaire. Et enfin, je vais aborder très rapidement toute la partie perspective pédagogique autour du dictionnaire. Donc très rapidement, pour la genèse du projet, tout commence avec un discours de la présidence de la République française le 20 mars 2018 où on ressort l'idée de créer un dictionnaire qui serait non pas franco-centré, d'accord, mais qui serait qui recenserait en fait tous les mots du français partout dans le monde. Donc voilà. Donc on a ensuite une commande de la délégation générale à la langue française et aux langues de France qui a été faite auprès
de 2IF, donc l'Institut international pour la francophonie, et par la suite, 2 ans environ de développement du site web, de l'application, de moissonnage aussi de ressources, parce que le dictionnaire de DDF, c'est aussi plusieurs ressources, mais j'y reviendrai plus tard. On a ensuite un lancement en fait en mars 2021, qui a été pas mal suivi, et une V2 qui est sortie là, mi-octobre, le 12 octobre, plus précisément, avec une amélioration de l'ergonomie et un peu plus d'accessibilité et également l'ajout d'une nouvelle ressource. J'y reviendrai. Enfin, on a la V3, la V4 qui vont arriver plus tard parce que c'est un outil en fait qui n'est pas fini. Il est en constante évolution et il est en constante amélioration. Donc, le dictionnaire des francophones, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un dictionnaire qui est descriptif. Ça veut dire qu'il n'y a pas une volonté d'imposer une norme. Il n'y a pas de hiérarchisation en fait des mots. Les mots, c'est du français, ils ont le droit de faire partie de ce dictionnaire. Donc c'est une volonté de vraiment décrire la réalité linguistique du français partout dans le monde. C'est un dictionnaire qui est donc ouvert. Il est ouvert, donc, c'est-à-dire que les données sont en accès gratuites et les données sont en accès libre et donc gratuites. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme on veut. Et pour il y a aussi un aspect qui est hyper important, c'est le fait que c'est participatif. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un outil qui est figé, c'est un outil où toute personne qui le consulte peut également contribuer. Donc voilà. Alors, en termes de chiffres, on est sur plus de 485 000 mots et expressions du français de toute la francophonie. C'est énorme. Un dictionnaire, les plus gros dictionnaires papier qu'on peut trouver dans le commerce autour du français, c'est 100 000 mots maximum. Pour utiliser une échelle, pour un enfant par exemple de 3 ans, le vocabulaire d'un enfant de 3 ans, c'est 2000 mots. Donc quand on met en perspective ces chiffres-là, on se rend compte que c'est énorme, c'est un vrai trésor. On est aussi sur un objet numérique qui est innovant. Donc c'est un objet qui utilise une technologie qui s'appelle le web sémantique, qui permet en fait de lier les données et d'avoir accès à ces données avec des relations. Voilà. Ensuite, alors une des questions qui revient assez régulièrement, c'est le fait que alors si c'est un dictionnaire qui est où tout le monde peut participer, qui est contributif, est-ce que il n'y a pas un danger en termes d'ajout de mots? Est-ce que c'est contrôlé? Effectivement, en fait, on a ce projet en fait est chapeauté par un conseil scientifique qui réunit en fait un public d'experts de la langue française partout dans le monde et aussi un comité de relecture. Le comité de relecture, lui, relie en fait, consulte les ajouts et peut acter si une définition est appropriée ou non, si elle est correcte ou incorrecte. Par rapport aux fonctionnalités, alors les fonctionnalités du dictionnaire des francophones, on a tout d'abord donc aujourd'hui 8 ressources, donc c'est-à-dire 8 dictionnaires qui constituent le corpus principal du DDF. Actuellement, on peut rechercher un terme et procéder à une contribution sommaire. C'est un choix qu'on a fait. Alors, on ne peut pas mettre toutes les informations qu'on pourrait mettre quand on ajoute une entrée, mais c'était important que dès le lancement, il soit possible de pouvoir ajouter des mots. Actuellement, on a également intégré des nouvelles ressources. Ces nouvelles ressources, on est encore en recherche en fait de nouveaux corpus. C'est en train de se faire. On a également l'exploration par liste qui va arriver bientôt, qui permettra, parce que pour le moment on ne peut que consulter un mot, c'est-à-dire on cherche un mot,
on lit la définition directement, alors que prochainement, on pourra consulter par liste. Et par liste, par exemple, au niveau d'un pays ou d'un domaine. Ensuite, on aura une contribution qui sera plus détaillée. Donc, on va changer le formulaire, ce qui permettra d'intégrer toutes les informations qu'on voit apparaître généralement dans le dictionnaire. J'y reviendrai un peu plus tard. Enfin, horizon 2022-2023, ça, c'est dans les tiroirs. On envisage donc d'avoir des cartes, des aires d'usage. On a aussi les prononciations audio avec un partenariat donc avec Wikimedia et Lingua Libre qui permettra d'avoir donc des fichiers, enfin d'avoir accès à des fichiers audio, des prononciations de mots partout dans le monde, dans toute la francophonie et donc avec les accents. C'est-à-dire qu'on n'aura plus, on n'aura pas en fait une prononciation des mots qui est européano-centrée ou parisiano-centrée. Enfin, il y aura aussi l'intégration d'espaces de discussion, car il y a vraiment une volonté en fait de faire en sorte que les gens puissent participer et donner leur avis, et notamment sur tout ce qui est étymologie ou sens d'un mot. Donc voilà. Alors, on pourrait se demander en fait quelles sont les raisons de contribuer à ce projet. Participer en fait à un projet aussi ambitieux, c'est intéressant parce que c'est un projet qui n'a pas d'équivalent en fait ailleurs. C'est habituellement un projet de dictionnaire, il est fait par éventuellement des lexicographes, des linguistes, mais on n'a pas cette possibilité d'avoir que chacun et chacune puisse participer et donner en fait contribuer avec l'ajout de leur connaissance du français. Il y a cette idée de construire en fait un bien commun qui nous permet en fait d'avoir vraiment ce sentiment de faire partie d'une communauté. Et puis tout simplement, le français nous appartient, c'est-à-dire que c'est les personnes qui parlent le français, les francophones, qui peuvent déterminer ou non ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Et je pense que c'est important. Nous, on pense que c'est important de rappeler ça, que le français est à nous. Les obstacles qui arrivent, que je vois constamment hein, quand je discute du DDF avec le public, c'est par exemple, et les genres d'obstacles que vous aurez, auxquels vous pourrez faire face vous-même ou dans vos classes, c'est par exemple, je ne suis pas un expert. Oui, effectivement, on n'est pas tous détenteurs d'un diplôme en linguistique ou en lexicographie. Cependant, en fait, à partir du moment où on parle français, on est un expert de la langue. Il y a aussi une autre des problématiques qui ressort, des phrases que j'entends souvent, c'est « je ne sais pas écrire une définition ». Eh bien, c'est pas grave. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours apprendre à en rédiger. Et il y a d'autres manières de contribuer au dictionnaire qui ne sont pas forcément dans la rédaction. Donc, par exemple, en signalant ou validant des définitions. Enfin, une des dernières phrases que j'entends quand je suis en contact avec le public, c'est le « je ne me sens pas légitime ». Cette insécurité linguistique qui ressort souvent par les personnes qui pratiquent le français, comme voilà, je ne parle pas le français de France, je ne parle pas le français de la capitale française, je ne me sens pas légitime. Et en fait, toutes les formes de français sont légitimes et ont le droit d'être dans le dictionnaire et ont toute leur place. Donc voilà. Alors c'est le moment un peu participatif.
Je vais vous demander de me dire, comme ça, dans le chat, directement, à quoi vous vous attendez quand vous consultez un dictionnaire. Alors, hop. Quelles sont les informations que vous cherchez, enfin, que vous, auxquelles vous vous attendez quand vous consultez un dictionnaire? Ok, donc on a la clarté. Date d'usage du mot, très intéressant, la prononciation. Okay. Très bien. Donc, on a une personne qui dit qu'elle aime feuilleter le dictionnaire pour chercher des mots qu'elle ne connaît pas et rechercher des mots qu'elle ne connaît pas, les emplois, son origine, transcription phonétique. C'est très intéressant. Oui, il y a aussi vérifier qu'on a bien compris un mot, être sûr du sens, étymologie, les occurrences, très bien. Très bien. Alors, bravo, vous avez tous réussi plus ou moins à m'exprimer un peu donc ce que vous cherchez quand vous consultez un dictionnaire. Alors, effectivement, quand on cherche un mot dans un dictionnaire, alors on a plusieurs informations. On a tout ce qui est donc la partie grammaticale, donc la classe de mots, la prononciation, effectivement, qui est ressortie plusieurs fois, donc avec la transcription phonétique. On a les relations. Donc, j'avais vu polysémie, synonymie, antonymie. On a tout ce qui est géographie, donc la localisation. Donc, où est utilisé ce mot, tout ce qui est régionalisme. On a l'orthographe aussi. Comment on écrit un mot, tout simplement. L'histoire, donc, quand je dis histoire, je parle de tout ce qui est étymologie. D'où vient ce mot, quelle est son origine. Et enfin, on a effectivement les usages. Donc, si c'est quelque chose de plutôt familier, de plutôt de courant ou de soutenu. Donc, voilà. Alors là, je vous montre, je vous invite à consulter le dictionnaire donc directement en ligne. Donc, l'interface se présente comme ça. Hein. Vous arrivez directement sur le site et vous cherchez un mot. Merci pour le lien. Merci. Merci, Martin. Alors, quand vous cherchez un mot, vous allez notamment avoir la partie localisation. Donc, c'est une des particularités du dictionnaire des francophones, c'est que vous pouvez consulter le dictionnaire en cherchant, en orientant de telle sorte que la localisation, que le mot apparaisse, que les sens apparaissent selon la localisation. C'est-à-dire, par exemple, si vous cherchez un mot comme bleu ou comme banane, si vous mettez comme localisation que vous êtes à Paris ou que vous êtes à Bamako, eh bien les premières définitions qui apparaîtront seront celles qui seront les plus proches de votre zone géographique. Voilà. Donc, la particularité donc, du dictionnaire, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, c'est qu'on a chaque définition dispose de la localisation, donc, où elle est pratiquée. Donc, pour ce terme-là, que je vous ai montré en exemple, on a le Burkina Faso, le Bénin, Côte d'Ivoire et Togo. Mais si, par exemple, c'était un autre mot, par exemple, un terme qui est plutôt un belgicisme, eh bien, on verrait le Belgique à la place de l'étiquette Burkina, Bénin, Côte d'Ivoire et Togo. On a ensuite la définition. Et enfin, les relations sémantiques qui sont présentées donc, et qui,
qu'on peut voir grâce à justement l'aspect technologique, donc grâce au web sémantique qui permet en fait ce genre de lien. Voilà. Alors, quand je discute avec le public par rapport à la façon de contribuer au dictionnaire des francophones, j'ai beaucoup d'interrogations parce que donc il y a déjà tous les obstacles qu'on se pose autour de la légitimité, du fait qu'on n'est pas, on se sent pas expert, qu'on ne sait pas faire de définition. Je vais vous montrer là comment on peut arriver à trouver une définition, d'accord? La démarche qu'il y a derrière la rencontre, derrière un mot, c'est tout d'abord une rencontre. Dans une discussion, sur Internet, dans un livre, on trouve ce mot et on peut se retrouver à se demander, vouloir comprendre le sens. On va dans le dictionnaire des francophones, on vérifie, en faisant attention bien évidemment à l'orthographe et aux accents. Et une fois qu'on a vérifié, on voit qu'il n'est pas dans le DDF. Là, c'est là que commence l'enquête. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez voir ça un peu comme remonter le courant, d'accord ? Une remontée de courant. Quand on voit un mot dans un dictionnaire, on a d'abord l'étymologie, la localisation, donc la classe, l'usage, ensuite le sens, les relations et l'exemple. Là, on a une démarche inversée, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'exemple, c'est-à-dire le mot dans cette phrase avec son contexte. Là, on va réfléchir à tout ce qui est relation. Alors, ce mot-là, quel serait son antonyme, quel serait un synonyme. Ensuite, avec ça, on peut arriver à en extirper un sens. Puis, se dire, ah, ok, c'est un usage qui est plutôt familier, soutenu, vieilli, injurieux, un néologisme. Ça peut être aussi quelque chose de rare, aussi un usage qui est rare. Voilà. Ensuite, on arrive à la classe. Donc là, on peut dire, ok, là, c'est plutôt un nom, un adjectif, un adverbe, un verbe. Enfin, on arrive à la géographie, donc la localisation. Donc, c'est un usage, c'est utilisé dans telle ou telle zone géographique, mais on peut dire aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu juste dans mon village, dans ma petite région. Et enfin, on a l'étymologie. Ça viendrait peut-être de tel ou tel usage, telle expression. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer un exemple, parce que c'est très abstrait, très théorique. Je vais vous montrer un exemple en partant sur le terme Zumba, ce que j'ai rencontré en fait en consultant les réseaux sociaux dans le cadre de ma mission. Donc, c'est quoi encore cette Zumba? Est-ce que vous avez déjà vu ce mot? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez vu dans cet usage-là? N'hésitez pas à participer dans le chat. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce mot? Juste répondez-moi oui ou non. Voilà, une danse. C'est ça. Effectivement, moi, je connaissais ce terme-là comme une gymnastique tonique, une danse. Or, il y a un nouvel usage qui est apparu ces dernières années, en fait, autour de ce terme-là. Et donc, comme je l'ai cherché dans le dictionnaire des francophones et je ne l'ai pas trouvé, j'ai commencé à faire mon enquête. Donc, j'ai cherché sur Twitter, sur Internet, des contextes d'usage de ce mot, et j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Donc, c'est quoi encore cette Zumba? Cette Zumba va prendre fin. Et je suis arrivée à deux sens. Alors, tout d'abord, je suis arrivée sur le sens d'un tapage médiatique démesuré autour d'un sujet dont l'importance est limitée. Voilà. Donc, on part de cette idée que la Zumba, donc c'est quelque chose de très chorégraphié avec un groupe, c'est fait en groupe. Et donc, par extension, c'est devenu cette idée de tapage
de bruit autour d'un sujet qui n'est pas forcément important. L'autre sens que j'ai trouvé, c'est le sens mensonge, tromperie, bluff. Un petit peu comme on a donc j'ai vu aussi beaucoup le arrête ta Zumba. Donc là, on est sur arrête tes salades. Voilà. Ou c'est du pipeau. Voilà. Effectivement, c'est un mot, par contre, qu'on ne voit pas, qu'on ne retrouve pas encore dans ce sens-là dans la presse. Donc, ici, pour l'usage, on va dire que c'est plutôt un usage qui est familier. Voilà. Donc, voilà, je vous ai montré comment on peut avoir une définition d'un mot à partir d'un exemple. Alors, pour le moment, le formulaire de contribution du Dictionnaire des francophones est très sommaire. Donc, si vous souhaitez vous-même contribuer au dictionnaire et partager vos définitions, là, je vous présente une manière, un format dans lequel que vous pourrez copier avec l'exemple que j'ai utilisé donc avec la Zumba, où on a d'abord la géographie, donc la localisation. Alors, pour le moment, je l'ai trouvé que c'était plutôt en France. Je ne sais pas, et l'enquête continue, si on l'utilise ailleurs. C'est un usage qui est familier. Mensonge, tromperie, bluff. Et ensuite, un exemple, donc, où là, j'utilise un exemple de Twitter en citant la personne qui a produit cet exemple, la plateforme où je l'ai trouvé et la date. Enfin, j'ai ajouté en relation salade, pipeau, dans le sens familier, enfin figuré. Voilà. Alors, pour tout ce qui est perspective pédagogique, en fait, c'est nous, au sein de l'Institut international pour la francophonie, on n'a pas une personne qui est dédiée à ce travail-là. Et c'est en réalité à vous, les participants, à tous les enseignants et enseignantes de la francophonie, de s'emparer de cet outil et de trouver des nouvelles manières de l'utiliser. Alors, on a quand même réussi à faire surgir des perspectives. Donc, le dictionnaire des francophones, il peut être utilisé dans un parcours d'apprentissage de la langue pour tout simplement vérifier qu'on a bien compris un sens. On a aussi un accès incroyable à un vocabulaire spécialisé. Donc, par exemple, tout ce qui est autour de métiers, tous les domaines, par exemple, en botanique, en sciences, tout ça, en fait, c'est répertorié dans le dictionnaire. Et donc, quand, en tant qu'enseignant du français langue étrangère, vous devez faire des formations pour des personnes formations plutôt pour des adultes et pour tout ce qui est professionnel, ben vous avez toutes ces définitions-là qui sont en accès libre. Aussi, la contribution, elle est aussi un moyen d'avoir une pédagogie plus active, de changer ce côté transmission du savoir, l'enseignant qui transmet à l'apprenant cette espèce de savoir qui est déconnecté. Là, en fait, contribuer, et ça permet aux apprenants et bien de se rendre actifs dans la façon de fixer les savoirs. Et enfin, il y a une autre manière aussi de contribuer et de contribuer au dictionnaire et en même temps de découvrir la richesse lexicale énorme de la francophonie. C'est les exemples d'usage. Donc, on a beaucoup de littérature francophone. C'est hyper foisonnant. Et dans cette littérature francophone, on a de très belles exemples, de très beaux usages qu'on peut par la suite ajouter dans le dictionnaire. Et ce serait une manière de fixer aussi les connaissances. Donc, voilà. Bon, j'ai terminé pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Merci hein, Nadia, c'était super intéressant. Je ne sais pas si tu peux afficher peut-être les liens pour télécharger l'application. Je ne sais pas si tu avais mis ça dans ta présentation ou pas. Sinon, on peut mettre les liens dans le chat. Enfin, je crois que Noé a déjà. J'ai un QR code. Donc, qui permettra de télécharger l'application
directement sur vos smartphones. Voilà. Et sinon, vous pouvez également suivre le compte du Dictionnaire des francophones sur tous les réseaux sociaux commerciaux, sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, en sachant que tous les jours, je propose un mot du jour en lien avec l'actualité. Donc voilà, ça vous permettra de découvrir pas mal de choses au quotidien. Donc, voilà. Non, c'est génial. Non, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Tous ces petits exemples vraiment qui illustrent très bien comment on peut justement contribuer. Alors, j'avais une petite question. Alors, c'était qui posait cette question? C'était Jean-Michel, justement, qui posait une question pour revenir un petit peu aux aspects contributifs dont tu parlais tout à l'heure. Il nous demandait si, justement, il propose une définition pour un terme quelconque. Il ne nous précise pas lequel. Comment est-ce que sa définition est validée? Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer un petit peu ça? Et à partir, je sais pas, est-ce qu'il y a un délai? Quel est le délai justement entre le moment où une personne, un contributeur va proposer une définition ou un nouveau mot et une période où c'est validé? Alors, une définition, à partir du moment où on entre un mot avec sa définition, il est visible instantanément. D'accord? Ensuite, on a le comité de lecture qui va voir si cette définition peut rester dans le dictionnaire, mais elle est visible tout de suite. Par contre, il y a la possibilité de signaler ou valider cette définition. Donc, si par exemple ce sens est vrai, avéré, utilisé, pratiqué, d'autres contributeurs peuvent valider cette définition. Par contre, si c'est une définition qui est injurieuse, là, on peut la signaler. Donc, il y a un petit bouton sur lequel on peut cliquer et c'est instantané également. Ça permettra en fait au comité de lecture de le voir directement et de voir ensemble, soit de la supprimer complètement, soit de voir si on ne peut pas moduler ou faire une définition un peu plus correcte. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai... Ah oui, je pense que tu as très bien répondu, bien sûr. Et on a Suzy, en Angleterre, à York, qui vous félicite tous à l'Institut international pour la francophonie pour le super boulot, le super travail que vous avez fait sur ce dictionnaire des francophones, et qui nous demande si c'est possible, par exemple, de comparer des mots en français avec, des mots de français de France, j'imagine, avec des mots du Sénégal ou d'autres régions francophones pour montrer les similitudes, différences, etc., etc. Alors, en fait, quand on cherche un mot dans le dictionnaire, on a tout de suite l'affichage. Donc, selon le sens, on a tous les mots selon les localisations. Donc, effectivement, en fait, on peut voir, c'est la première partie, en fait, de la définition. Donc, on cherche le mot, tout de suite, on a la liste de toutes les définitions avec la localisation. Donc, par exemple, bleu au Sénégal, bleu en France, bleu en Belgique. Et une fois qu'on clique sur une des définitions, là, on a la définition complète avec les exemples sourcés, avec les relations, avec tout ça. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. Excellent. Je pense que oui, c'est très, très clair. Et puis, c'est très clair aussi sur l'application. Vous verrez, sur le site et sur l'application, ça se voit tout de suite. Hein, à partir du moment où on est géolocalisé, on a donc les définitions, si on est au Sénégal, qui apparaissent d'abord selon le prisme sénégalais. Et puis ensuite, on voit en descendant toutes les autres définitions possibles selon les régions francophones où ces mots sont utilisés. C'est assez limpide. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Nadia, encore une fois. Et puis, on te retrouvera de toute manière tout à l'heure à la fin du webinaire, peut-être pour d'autres questions, si on a des questions du public sur le dictionnaire, encore une fois, plus précise. On verra ça. Et puis, du coup, je vais demander à Magali de nous rejoindre parce que là, on va pouvoir rentrer maintenant dans les applications pédagogiques. Me voilà.
Voilà, très bien. Alors, juste avant de te céder la parole, hein, j'ai rajouté, vous avez peut-être vu dans la partie sondage, hein, une petite question supplémentaire que je vous avais posée au tout début du webinaire. Hein, c'est, est-ce que vous avez déjà utilisé le DDF dans le cadre de vos classes? Donc, prenez le temps d'y répondre rapidement. Puis on vous posera une dernière petite question supplémentaire à la fin. Voilà, je te laisse la parole, Magali. Et puis, voilà, tu peux du coup partager ta présentation. Très bien. Merci beaucoup, Martin. Alors, je vous demande deux petites secondes que je partage avec vous ma présentation. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Magali Delcombel, je travaille au Cavilam depuis un certain temps maintenant. Et donc, nous avons été contactés l'année dernière pour proposer un parcours, un dispositif pédagogique pour accompagner ce dictionnaire des francophones. Donc, nous avons œuvré avec certaines collègues pour vous proposer donc ce dispositif pédagogique qui est composé de deux parties. Donc, d'abord, vous avez toute une série de fiches pédagogiques qui a été élaborée ici au sein du Cavilam et puis également une application pour mobile et tablette qui s'intitule Défi DDF. Donc, je vais vous montrer un peu ces deux aspects du dispositif pédagogique. On n'aura pas le temps ni la possibilité, vu le nombre que vous êtes, hein, de tester une fiche en direct, mais en tout cas, moi, je vous invite à aller les consulter. Donc, tout d'abord, les fiches pédagogiques ont été proposent six parcours pédagogiques, donc qui vont du niveau A1+ jusqu'au niveau C1 du CECRL. Ces fiches, elles sont l'objectif, donc, c'est de proposer des parcours pour découvrir la richesse lexicale de la langue française dans son ensemble, donc pas uniquement la langue parlée ici en France, mais également dans tous les pays de la francophonie. Les fiches s'appuient toutes sur le DDF, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre de la fiche, il faudra utiliser le DDF, soit pour faire une recherche, soit pour valider une information, ou voire même pour contribuer au DDF. On a une des fiches qui a pour objectif final une contribution au DDF. Toutes ces fiches proposent des activités pour une séquence de classe d'une soixantaine de minutes environ. Alors, en présentiel, en théorie, mais en fait, on peut aussi les adapter pour le distanciel. Tout est faisable. Et donc, le principe de ces fiches, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à partir d'une sélection de mots ou d'expressions, d'une boîte à mots, on va proposer des activités de recherche dans le DDF pour aboutir à une production collaborative qui sera obligatoirement réalisée à l'aide d'un outil numérique. Donc, tous les outils numériques que nous vous proposons, vous pourrez également les retrouver dans les fiches. Vous verrez, il y a des boîtes à outils avec des QR codes. Et puis, à la fin de ces fiches, on vous propose également un prolongement possible, d'accord. Donc, ce prolongement, ça peut être donc une contribution au DDF, ça peut être un lien vers un autre site, toujours sur la même thématique, ou pour élargir un petit peu. Voilà, donc ça, c'est vraiment le principe de ces fiches pédagogiques. Donc, on va commencer, si vous voulez bien, avec un exemple. Alors, j'ai choisi les deux extrêmes, c'est-à-dire que j'ai choisi la fiche qui a été élaborée pour le niveau B2+C1 et puis la fiche qui a été élaborée pour le niveau A1, pour que vous voyez bien que c'est possible. On peut utiliser un dictionnaire avec des niveaux très différents. Donc, tout d'abord, je vais arrêter le partage de ma présentation. Je vais vous présenter une petite vidéo et la question qui accompagne cette vidéo, c'est quel est l'objectif de ce dictionnaire? Donc, je lance la vidéo. La langue française est source de partage. Elle représente 300 millions de francophones à travers le monde. Imprégnée de toutes ces cultures, elle est devenue plus riche et nuancée. Alors, pour faire le pont entre ces variations, un dictionnaire francophone collaboratif va être créé afin de lever le voile sur le sens de mots et d'expressions.
Joseph, Daniel, Valère et Laurence ont déjà participé et nous parlent aujourd'hui d'un élément de langage qui n'existe que dans leur pays. Au Québec, on est très... Voilà pour ce début de vidéo. Je vous montrerai la suite tout à l'heure. Donc là, on retourne sur ma présentation. Alors, quel est l'objectif de ce dictionnaire? Peut-être que vous pouvez rapidement répondre dans le chat. Ça va être facile puisque si vous avez bien écouté la présentation de Nadia, elle a déjà tout dit. Okay, donc la diversité, partager un patrimoine linguistique, très bien, diffuser le français langue étrangère. Donc il y a le mot partage, hein, et partage et diversité qui revient effectivement assez fréquemment. Merci pour votre collaboration. Alors, après cette activité, on va présenter aux étudiants la boîte à mots, donc qui se situe sur l'affiche, et on va essayer de leur faire trouver le lien qui existe entre tous ces mots et ces expressions. Donc, je ne sais pas si vous connaissez certaines de ces expressions, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif de cette activité, c'est de faire prendre conscience aux apprenants qu'il n'existe absolument aucun lien entre ces mots, qu'ils proviennent tous, qu'ils n'ont pas de lien. Pardon, excusez-moi. Et donc ensuite, on va leur demander de consulter dans le DDF l'expression du coq à l'âne, qui est également le titre de l'affiche. Et donc, si on consulte le DDF, eh bien, on peut réaliser que l'expression du coq à l'âne signifie en fait que l'on parle d'un sujet, puis d'un autre, et qu'il n'y a pas forcément de transition ni de cohérence entre ces sujets. Alors, ensuite, l'idée, c'est qu'on diviserait la classe en cinq groupes différents et que l'on attribuerait un mot ou une expression de cette boîte à mots à un groupe et on leur demanderait de faire des hypothèses sur le sens de ce mot ou de cette expression. On leur laisserait quelques instants pour faire cette activité et ensuite, on passerait à une phase de mise en commun où les étudiants... présenteraient leurs hypothèses. Et puis ensuite, on va s'intéresser aussi sur la stratégie qu'ils ont mise en place pour élaborer ces hypothèses. Donc, est-ce qu'ils ont traduit? Est-ce qu'ils ont cherché un sens figuré? Ou bien est-ce qu'ils ont fait est-ce qu'ils ont réfléchi, pardon, à la manière de dire dans leur langue ou dans une autre langue qu'ils maîtrisent? Donc là, évidemment, on laisserait les apprenants discuter entre eux et échanger sur les stratégies qu'ils ont utilisées. Alors, je vais maintenant diffuser la suite de la vidéo pour que, on mette à jour ces définitions. Alors, je vais avancer. Afin de lever le voile, ont déjà participé et nous parlent aujourd'hui d'un élément de langage qui n'existe que dans leur pays. Au Québec, on est très inventif, fait que le choix est un peu difficile. On a les clavardages, les barniques, on chauffe le char, on tataouine également. Mais s'il fallait que j'en choisisse un seul, ce serait le pourriel. Pourriel, c'est courriel indésirable. Mais un Québécois vous dirait pas le temps de niaiser, tous ces pourriels sont vraiment achalants. Pour moi, le français est une langue très imagée. Il y a des expressions typiques que j'aime dans mon pays. La première, c'est l'eau à recevoir. C'est tout simplement une façon de dire l'eau gazeuse. Et la deuxième, lancer un chameau. Mais non, je ne vais pas me moquer de nos amis animaux. Non, c'est tout simplement lorsqu'on commet une faute d'orthographe. C'est vraiment une langue surprenante, notamment dans ses équivalences. Tenez, si je vous dis pause carrière, ça vous fait penser à quoi? Une idée? Au fond, on peut le déduire assez facilement. Tenez, regardez. Pause carrière. Ça veut dire congé sabbatique.
Vous l'aviez? La langue française est pleine de liberté, car parfois, une expression aura un sens complètement opposé dans un autre pays francophone. Par exemple, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a l'expression « avoir la bouche sucrée ». Vous pensez que ça veut dire quoi? Qu'on aime les desserts? Non, non, non. Ça se dit de quelqu'un qui est un beau parleur, qui aime flatter. Vous en connaissez? Plus de 400 000 mots, 600 000 définitions, voilà ce que vous retrouverez sur notre plateforme collaborative, le dictionnaire. Alors, je retourne à ma présentation. Voilà, donc j'ai cru voir qu'il y avait des amis belges parce que j'ai vu plein de cœurs apparaître lorsque la vidéo diffusait cette femme qui expliquait l'expression post-carrière. Donc, voilà, les élèves découvrent finalement le sens de ces expressions. Et puis, ensuite, on va demander aux apprenants d'aller dans le DDF hein, et donc de chercher ces mots, ces expressions. Et puis, on va leur demander également de regarder les informations supplémentaires qu'ils vont y trouver. Donc, ici, je vous ai mis un exemple hein, pour pourriel. Donc, vous voyez que, bon, à l'époque où nous avons fait les fiches pédagogiques, il n'y avait que deux définitions. Peut-être qu'il y en a-t-il plus maintenant. Donc, vous voyez qu'il y a une première définition pour le monde francophone et puis une autre pour le Québec avec un code couleur différent. On trouve aussi l'étymologie. On voit que c'est un mot valise, hein, le pourriel. Donc, voilà, pour qu'ils puissent voir toutes les informations qu'ils trouvent sur ce dictionnaire. Ensuite, dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais lorsque la Québécoise présentait ces mots, elle a aussi parlé de clavardage et de chauffer le char. Donc, ce qu'on pourrait nous demander par la suite aux apprenants, eh bien, c'est d'imaginer une entrée dans le DDF pour le mot clavardage ou pour l'expression chauffer le char. Et donc là, de proposer également l'étymologie, l'origine, donner des exemples. En fait, faire le travail que Nadia a fait tout à l'heure et qu'elle vous a proposé. Et puis ensuite, on leur demanderait encore une fois d'aller dans le DDF. Ces deux termes existent dans le DDF. Hein, et donc de comparer leurs hypothèses avec ce qu'ils trouveraient dans le DDF. Alors, l'étape finale, hein, donc l'étape de production, on demanderait aux élèves d'inventer un mot valise ou une expression, pourquoi pas, et donc là aussi d'imaginer le sens, l'origine, l'étymologie, la zone géographique, enfin toutes les informations qu'ils trouveraient intéressantes de mettre dans un dictionnaire. Ensuite, il y aurait une étape de mise en commun où donc les binômes présenteraient au reste de la classe leurs mots ou leurs définitions. Et donc la tâche finale, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, se fait avec un outil numérique. Et bien donc ici, on propose aux élèves de se filmer comme dans la vidéo de présentation du DDF avec leur téléphone portable et de poster leur contribution sur un mur collaboratif. Donc des murs collaboratifs, il en existe plusieurs, je suis sûre que vous en utilisez déjà. Et donc ainsi, on pourrait créer une sorte de mur collaboratif de la classe avec ces nouveaux mots ou ces nouvelles expressions. Donc ça, c'est l'exemple de fiche pédagogique qui a été faite pour le niveau B2-C1. Et maintenant, je vais vous montrer celle que nous avons faite pour le niveau A1+. Donc ça, c'est la fiche telle que vous pourrez les trouver sur le site du Cavilam, Le Plaisir d'Apprendre. Elles sont téléchargeables sous ce format-là. Donc je voulais décomposer un petit peu. Donc l'objectif de cette fiche destinée au public de niveau A1, c'est donc d'enrichir ses connaissances lexicales et de créer une carte de formule des civilités du monde francophone. Donc le titre de la fiche, c'est « Bien le bonjour ». La première étape serait donc de constituer des petits groupes de travail et de demander à nos élèves donc quels sont les mots de salutation qu'ils utilisent dans la journée. Donc on les laisserait quelques instants, on ferait une mise en commun.
Ensuite, voici les mots de la boîte à mots que nous avons choisi d'utiliser. Donc, on ferait 4 colonnes au tableau. Chaque colonne serait intitulée avec un verbe, donc saluer, remercier, s'excuser, demander, prendre congé. Et on demanderait aux élèves d'aller classer ces mots de la boîte à mots dans la colonne qui correspond. Alors, cette activité, elle est aussi faisable en distanciel. Avec un document collaboratif, ça fonctionne très, très bien. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour chaque fiche pédagogique, il y a une recherche dans le DDF. Donc là, on diviserait la classe en 8 groupes et on demanderait aux élèves de choisir un des mots de la boîte à mots où on leur attribue un mot. Et ensuite, on les invite à se rendre sur le DDF, à entrer leurs mots dans le moteur de recherche et à relever tout ce qu'ils voient sur cette page. Aussi bien la catégorie grammaticale, bien sûr, ils vont peut-être retrouver le code couleur si le mot est utilisé dans plusieurs zones géographiques avec un sens différent. Et puis, on va les inviter à vraiment prendre possession du DDF, à se l'approprier, donc à cliquer dans une définition plus précisément, lire la définition complète, regarder s'il y a des exemples. Comme je vous disais, l'objectif, c'est vraiment qu'ils s'approprient ce dictionnaire. Voilà. Et donc, l'étape finale, qui est donc cette étape de création, vous connaissez Padlet, j'imagine. Donc, sur Padlet, on a la possibilité de créer, de mettre un fond d'écran. En fait, c'est une carte du monde, pardon. Et donc là, on peut leur demander de créer une carte du monde des présentations en mettant les mots qu'ils utilisent, eux, plus particulièrement pour dire bonjour ou au revoir, ou s'ils ont d'autres connaissances sur d'autres manières de saluer, ils peuvent aller le faire grâce à cet outil Padlet. Donc, vous voyez, dans la boîte à outils, ici, vous avez le QR code du Padlet qui est proposé. Vous retrouvez également le QR code du DDF. Et puis, voilà les prolongements possibles. Donc là, c'est un prolongement vers le site de TV5Monde. Il y a une série d'exercices qui est proposée sur les salutations. Vous voyez qu'on est bien là au niveau A1, c'est tout à fait réalisable. Et une autre idée, donc, c'était de créer des acrostiches à partir des mots de civilité. Donc là, c'est un travail qui peut se faire en classe, en groupe, avec votre aide, parce qu'il faudra d'abord, bien évidemment, expliquer cette notion d'acrostiche. Voilà pour les fiches pédagogiques donc, qui ont été proposées. Vous en avez 6, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc maintenant, on va s'intéresser à l'application Défi DDF. Excuse-moi, je t'interromps, ouais. Magali, mais parce qu'il y a pas mal de questions pour savoir exactement où trouver les fiches. Si tu peux juste réexpliquer, je sais que j'ai vu que Frédéric, ta collègue, avait partagé le lien, mais peut-être rappeler. Super. Alors, Frédéric a mis le lien dans le. Oui, c'est ça, c'est sur voilà. Le site du plaisir d'apprendre, c'est bien ça. Tout à fait, donc je viens de vous le remettre avec plus précisément là, le site ciblé. Donc, elles sont téléchargeables gratuitement, ces fiches, sur le lien là, du plaisir d'apprendre que Frédéric et moi venons de partager avec vous. Et sur le site du plaisir d'apprendre, je peux peut-être partager mon écran avec vous. On va essayer. Hop, voilà. Martin, est-ce que tu peux me confirmer que vous voyez le... Voilà. Oui, on voit très bien. Très bien. Donc, si vous êtes... Là, c'est le site du plaisir d'apprendre. Et si vous êtes sur le site du plaisir d'apprendre, vous avez ici DDF, donc découvrons le DDF. Et ici, vous allez retrouver toutes les fiches pédagogiques qui sont donc téléchargeables. Et vous allez également trouver des informations... Là, sur les défis DDF, donc l'application dont je vais vous parler tout de suite. Voilà. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran pour retourner sur ma présentation. OK. Très bien. Merci.
Voilà. Donc, comme je vous disais, l'application, c'est une manière de découvrir le DDF sous forme de jeu de piste, en fait. Donc, c'est très ludique et interactif. L'application, vous pouvez la télécharger aussi bien sur des mobiles que sur des tablettes. Que vous ayez un iPhone, un iPad ou un autre système, hein, c'est disponible sur iOS et sur Android. Donc là aussi, on vous propose des parcours. Donc il y a 4 niveaux thématiques qui vont vous permettre de faire des promenades à travers la richesse lexicale de la langue française. Donc les niveaux thématiques qui sont proposés, c'est donc à table, tout ce qui va tourner autour de l'alimentation, la gastronomie. Ensuite, au travail, l'environnement et le corps et l'esprit. Donc, on a également proposé des activités, des thématiques, pardon, qui sont progressives. Donc, c'est-à-dire que la thématique autour de la table s'adressera plutôt à des élèves de niveau A1, au travail, A1, A2, on va dire. Au travail, on est plus sur du A2, B1, l'environnement sur un niveau B1 plus B2, et le corps et l'esprit, là, on est plus sur un niveau B2, voire plus. D'accord ? Alors, on va les exercices proposés hein, dans cet outil. Donc, vous avez des QCM, des appariements, vous avez toutes sortes de petites activités. On a essayé de faire en sorte que ce soit pas redondant au niveau des activités et des jeux proposés, pour qu'il y ait une espèce de dynamique qui se mette en place et que les personnes qui utilisent l'application ne se disent pas « Ah, mais c'est bon, c'est toujours les mêmes typologies d'exercices. » Donc, en général, sur une thématique, vous retrouvez quasiment toutes ces typologies d'exercices. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de vous montrer on va faire un test. Je vais vous montrer l'application telle que vous pourrez la télécharger. Alors attendez, je vais partager mon écran avec vous. Je vous demande 2 petites secondes pour cette manipulation. Voilà. Est-ce que, Martin, tu peux me confirmer que... Oui, on voit très bien. Ah, ok, très bien. Donc, ici, vous avez les 4 niveaux. Alors, les niveaux ici n'apparaissent pas encore parce que ça, c'est un outil de présentation. Mais lorsque vous téléchargerez l'application, vous aurez les couleurs. Hein, on retrouve les couleurs du DDF. Alors, on va aller sur le niveau 1 pour voir. Donc, chaque niveau est composé de 4 défis. Et un défi bonus qui vous permet de gagner des points. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des scores qui s'affichent. Donc, on va aller voir le défi sur les aliments, par exemple. Voilà. Donc, on a essayé de contextualiser un peu chacun des défis. Donc, vous avez toujours une petite phrase ou un proverbe en introduction. Et on vous dit, donc, grâce à ce défi, vous allez enrichir vos connaissances sur les aliments. Voilà, donc on vous explique bien qu'il y a 4 étapes, que vous pouvez bien évidemment faire des recherches dans le DDF pour répondre aux questions, et que pour ça, on vous a mis un icône qui ressemble à une petite boussole. Donc, on va démarrer. Voilà, donc la boussole, vous la retrouvez ici. Ici, vous avez droit à des indices, en fait. Hein. Donc, chaque défi est noté sur 250 points. Donc, vous pouvez gagner 250 points par défi. Néanmoins, si vous utilisez des indices, il y en a 3 par défi, eh bien, au fur et à mesure que vous utiliserez des défis, vous allez perdre des points. C'est logique. Hein. Donc, voilà. Donc, on vous dit là, selon le DDF, un aliment est un élément qui se mange et qui sert à entretenir la vie. Le mot « aliment » a beaucoup de synonymes. Cliquez sur « ceux » donnés dans le DDF. Donc là, pour répondre à cette question et pour gagner le maximum de points, nous n'avons pas d'autre solution que d'aller voir les mots proposés dans le DDF. D'accord ? Donc, vous avez, on va cliquer par exemple, la pâture, la nourriture, la denrée, je ne suis pas sûre, et bien je vais aller voir une aide. Afficher un indice, vous voyez, je perds 75 points. Mais ce n'est pas grave. Et on vous demande, hein, vous êtes sûr de bien vouloir utiliser cet indice ? Oui, oui, je le veux. Pâture et soupe ne sont pas des synonymes. Ok. Donc, je vais supprimer celui-ci que j'avais mis. Par contre, peut-être que pitance en est un et la croûte. Allez, je valide. Je verrai.
Est-ce que vous souhaitez valider? Oui, je le veux. Alors, j'ai validé. Donc maintenant, je vais passer voilà, à la deuxième activité. Okay? Donc ici, vous avez une pomme, une poire, une cerise et un avocat. Et en fait, avocat, pour nous, c'est un fruit ou un légume. Hein. En tout cas, dans d'autres pays, ça a une toute autre signification. Donc, on vous propose ici toutes les définitions possibles pour chacun de ces mots. Et donc là aussi, il va falloir consulter le DDF pour découvrir certaines définitions de ces noms de fruits ou de légumes. Donc, fruit comestible du pommier, vous allez le positionner ici, bien évidemment. Fruit de l'avocatier, bon, voilà. Mais regardez, au Canada, il y a un de ces mots ici qui a le sens de gyrophare de police. Pot de vin au Congo-Brazzaville, fruit à pépins de forme oblongue, ça doit être ça. Donc, toutes ces définitions-là, eh ben, si vous voulez être sûr de gagner le maximum de points sans utiliser vos indices, il va falloir utiliser le DDF en cliquant ici sur la boussole pour aller... trouver les définitions. Voilà pour cette application des défis DDF. Donc, je vais arrêter le partage. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette présentation assez rapide. Moi, je vous invite maintenant à aller consulter les fiches et puis les utiliser dans vos classes. Et pourquoi pas demander à vos élèves aussi de télécharger l'application et puis de faire une sorte de concours dans votre classe. Ça peut être une idée sympathique, hein, une sorte d'émulation de groupe. Voilà, je vous remercie. Merci à toi Magali pour la présentation de ces fiches et des défis DDF. Je pense que ça donne beaucoup, beaucoup d'idées aux enseignants qui nous suivent aujourd'hui, en tout cas que ça leur donne envie d'utiliser le DDF. Enfin, je vois les petits commentaires dans le chat vont tous dans ce sens-là, en tout cas c'est hyper intéressant. D'ailleurs, j'en profite, hein, j'ai remis une petite question de sondage si vous voulez bien y répondre, parce que bon, vous étiez bien sûr une grosse majorité là au début de ce webinaire à n'avoir jamais utilisé le DDF en classe. Du coup, on vous demande là si après ce webinaire, ça vous donne un peu plus envie de l'utiliser en classe, si vous pensez en vous appuyant sur ces fiches et sur les applications que propose le Cavilam, si vous pensez que après ce webinaire, vous allez pouvoir le faire découvrir à vos élèves, à vos apprenants, et puis proposer des petits défis sympas autour des mots de la francophonie. Encore merci Magali en tout cas pour je vous en prie. Ces idées. Alors peut-être avant de conclure, j'ai peut-être deux trois petites questions pour vous. Alors on avait une question peut-être plutôt pour Nadia notre collègue qui avait fait une recherche et qui se demandait en fait la source. Tu l'as répondu par écrit. Oui. Le dire par j'avais pas vu tu avais répondu. Non, sur les sources, voilà, les sources Wiktionnaire et puis peut-être d'autres sources. Donc, oui, effectivement. Les mots et les définitions. Pas de souci. Donc le dictionnaire des francophones, c'est pas juste une base de données. Les mots viennent de quelque part. Et donc, on a tout d'abord le Wiktionnaire qui constitue une bonne partie du corpus. Ce qui est intéressant avec le Wiktionnaire, c'est que c'est un site collaboratif. Donc, il est très riche. Et là, par exemple, on a encore intégré des nouveaux mots, parce qu'on fait régulièrement des mises à jour et on ajoute les nouveaux mots qui ont été intégrés. C'est quelque chose comme entre 10 et 15 000 entrées par an dans le dictionnaire français. Donc, voilà. Ensuite, on a d'autres ressources qui, là, pour le coup, on a eu des négociations, on a discuté avec les ayants droit. Donc, on a l'inventaire des particularités lexicales du français en Afrique, le dictionnaire des synonymes des mots et expressions du français parlé dans le monde, l'ouvrage Belgicisme, inventaire des particularités lexicales du français, et on a aussi des ressources vivantes, donc le grand dictionnaire terminologique de l'OQLF, et France Terme. Donc tout ça constitue donc le gros du dictionnaire. Et ensuite, il y a aussi les nouveaux mots qui ont été intégrés. Donc là, on est depuis le début, alors qu'on a un formulaire qui est très sommaire pour le moment, depuis le début, on a quelque chose comme entre 500 et 550 mots qui ont été entrés
Et c'est très prometteur. Voilà. Excellent, génial, génial. Et j'avais aussi une petite question sur les recherches d'expression. Comment ça se passe alors justement sur le DDF pour rechercher des expressions? Est-ce qu'on rentre les expressions telles quelles? Est-ce qu'on rentre un mot de l'expression? Je ne sais pas si l'une d'entre vous peut nous répondre. Pour les expressions, en fait, on peut les chercher directement avec le verbe et le complément. Et il faut juste faire attention à ne pas mettre de majuscules. Donc, pas de recherche avec des majuscules. Enfin, généralement, ils le retrouvent quand même, mais c'est plus, on a la réponse tout de suite quand on met pas de majuscules. Faire attention aux accents. Et il ne faut pas que ce soit conjugué. Il faut chercher avec... j'ai plus le mot là. L'infinitif. L'infinitif, merci. Ouais, pour les expressions idiomatiques, énigmatiques, en général, moi je me mets à la place d'enseignant, c'est sûr que pour faire découvrir des expressions idiomatiques, c'est toujours assez compliqué de faire comprendre tout ça, mais donc c'est possible de faire des recherches d'expressions idiomatiques. Oui, elles sont présentes. Après, les formes fléchies sont également dans le dictionnaire. Donc, c'est juste qu'on a le résultat plus rapidement si on met à l'infinitif. Voilà. Excellent. Génial. Et puis peut-être une dernière question pour Magali, parce que alors, je ne sais pas si le Kavila et les équipes pédagogiques prévoient de nouvelles fiches ou de faire évoluer les défis DDF dans les semaines, les mois qui viennent. Est-ce que ça a vocation à être enrichi ou est-ce que chers collègues enseignants à l'étranger peuvent aussi contribuer? Nous, là, en ce qui nous concerne, nous personnellement, au Kavilam Alliance Française, là, on est en train de faire des fiches en relation avec le DDF, mais pour d'autres partenaires, Sanadia pourrait aussi vous en parler. Donc, c'est destiné plutôt à des enseignants qui se trouvent en Afrique. Et donc, on a fait notamment toute une série de fiches par zone géographique. Pour l'IFADEM et on a fait pour Relief une série de fiches, elle est en cours d'élaboration sur les inégalités femmes-hommes. Voilà, mais là, pour l'instant, on n'a pas d'autres commandes, mais on pourrait tout à fait imaginer de créer d'autres fiches. Après, c'est aussi aux collègues, par rapport à, comme support, se servir de nos fiches comme support pour imaginer toute autre activité. C'est un point de départ. Ça peut être ensuite démultiplié avec d'autres thématiques, avec d'autres boîtes à mots. C'était le principe. Aussi. Bien sûr. Et chez nous, en fait, on est très friands des initiatives que peuvent prendre des enseignants qui ne sont pas forcément dans le Kavilam. Et si vous avez des choses à nous proposer, nous, on prend bien, ne serait-ce que parce qu'on aimerait beaucoup mettre en place en fait un réseau pédagogique et mettre en lien. L'idée, ce serait vraiment que chacun, chacune puisse avoir accès à des outils pédagogiques sur le dictionnaire des francophones et qu'on puisse s'inspirer les uns les autres. Voilà. C'est ça. Et le lien est tout à fait clair avec IFProf, du coup, c'est magnifique. Ouais. Tout se recoupe parce que, bien sûr, vous savez, je le disais dans le chat, mais vous pourrez retrouver, bien sûr, toutes les informations relatives aux présentations de Magali et de Nadia, ainsi que le replay de ce webinaire sur IFProf. Et ce serait aussi l'occasion, pourquoi pas, de lancer un groupe particulier autour du DDF et de ses usages en classe, selon les différents contextes géographiques, les différents types d'apprenants auxquels vous avez affaire. Ça pourrait être en tout cas très très intéressant de lancer des choses comme ça collaboratives sur IFProf autour d'un groupe sur le DDF. En tout cas, voilà, je lance l'idée. À vous de vous en emparer après. On ne peut pas malheureusement tout faire, mais ça pourrait être très intéressant en tout cas à suivre. Très bien. Peut-être un petit mot de conclusion, Nadia, Magali, avant de nous séparer, puis de vous remercier encore une fois. Allez, utilisez ces fiches, utilisez le DDF et puis effectivement, profitez de ce bel outil qui a été créé et qui est disponible, comme l'a dit Nadia tout à l'heure, gratuitement. C'est tellement rare. Donc, profitez-en.
Voilà, ben merci, merci déjà, merci beaucoup, merci à tous d'avoir été aussi attentifs et aussi nombreux. N'hésitez pas en fait à nous contacter via les réseaux. En fait, on a aussi une adresse mail de contact si vous voulez nous faire des retours, parce que c'est un outil qui a vocation à évoluer. Donc, si vous trouvez que certaines informations sont manquantes, si vous trouvez qu'en termes d'ergonomie, il faudrait changer quelque chose, ben n'hésitez pas, parce que nous, ça nous fait avancer et ça rend l'outil plus agréable pour tout le monde et plus accessible. Très bien. Voilà. Donc, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour faire remonter à Nadia tout ça. Merci à tous, merci à toutes. Merci à vous. Nadia, merci Magali. Et puis à très bientôt. De toute façon, je suis sûr qu'on aura l'occasion de se retrouver. Oui. Merci. Au revoir tout le monde. Merci tout le monde. À bientôt pour un nouveau webinaire. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.